Ce que j'avais oublié de dire aussi en début de vidéo, c'est que ça faisait quand même 5 ans qu'on attendait un film de David Fincher. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait ? Bon, on a quand même eu Mindhunters. Oui, c'est vrai, on a eu la série Mindhunters. Mais bon, du coup, on n'aura pas eu un nouveau film de David Fincher au cinéma. On l'aura eu à la télévision. Et ça, c'est quand même chiant, bordel. You talking to me ? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me ? Well, I'm the only one here. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film tant attendu, le nouveau film de David Fincher, Mank, qui est sorti sur Netflix, uniquement, exclusivement sur Netflix. Quel dommage, mais c'est comme ça, bienvenue en 2020. Et donc, pour parler de ce film, je suis accompagné du meilleur youtubeur de France, voilà, Monsieur Merej en personne. Comment vas-tu, Merej ? Écoute, ça va très bien. C'est une vanne, hein, meilleur youtubeur de France. Ah bon ? Ouais. Bon, d'accord. Je tiens à le préciser parce que en 2020, le second degré n'a plus sa place. Oui. Voilà, donc je précise, c'est une vanne, d'accord ? Est-ce qu'on écume tous les jeux de mots sur manque tout de suite ? Ah ben vas-y, fais-toi plaisir si tu veux. Hein. Voilà, donc un film à la manque, un acte manqué, Fincher manque sa cible, t'en as d'autres ? Non, moi j'avais pensé à un acte manqué, voilà, c'est tout. Bon, voilà, donc c'est bien. Donc on n'en fera plus jusqu'à la fin. Ah si, tiens, manqué plus que ça. Ah voilà. Voilà. Donc, manque, en préambule de la critique, je voudrais juste préciser une chose. C'est que David Fincher, ce n'est pas la première fois qu'il s'intéresse à Citizen Kane. Avec Mank, en fait, il avait déjà montré son adoration pour le film d'Orson Welles avant même de réaliser son premier film Alien 3 en réalisant un clip de Madonna sur la chanson Oh Father. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. D'ailleurs, cette chanson, je l'adore. C'est une de mes chansons préférées de Madonna, si ce n'est celle que je préfère. Et donc, si vous regardez le clip qu'avait réalisé David Fincher à l'époque, on y voyait déjà un hommage vraiment appuyé à Citizen Kane, avec carrément le même début où on voit un enfant jouer dans la neige avec la caméra comme ça qui recule en travelling et qui laisse apparaître l'enfant emprisonné dans le cadre de la fenêtre et avec la mère en premier plan. Donc voilà, c'était juste pour préciser que l'amour de Citizen Kane pour David Fincher, c'est quelque chose qu'il a en lui depuis très longtemps. Le scénario de Mank a été écrit par Jack Fincher, le père de David Fincher. Voilà, un scénario qu'il a écrit il y a environ 17 ans. Donc, c'était un projet très personnel. Et donc, pour vous donner rapidement, comme ça, tout de suite à chaud, mon avis sur Mank, je dirais que c'est un film qui m'a fasciné. Voilà, j'ai trouvé ce film assez passionnant. Mais si vous n'avez jamais vu Citizen Kane, ou que vous n'aimez pas Citizen Kane, ou que l'histoire d'Hollywood dans les années 30 où la fabrication des films ne vous intéresse pas, je pense que Mank va vous passer au-dessus de la tête et vous allez vite trouver ça ennuyant. Qu'en penses-tu, Merej ? Écoute, je ne sais pas. Peut-être que certains n'auront pas vu Citizen Kane et aimeront beaucoup le film. En tout cas, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as dit. C'est qu'il avait essayé de monter le film dans les années 90, il me semble, et qu'il y avait, Kevin Spacey et Jodie Foster qui étaient au casting. D'accord. Qui avaient failli le réaliser et qu'en fait, c'était tombé à l'eau. Et voilà, et après, plus de 20 ans plus tard, il arrive à le monter. Donc c'était effectivement quelque chose qu'il le travaillait depuis très longtemps. Et pour aller dans ton sens, oui, je pense que c'est un film un petit peu difficile quand même. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est assez exigeant. Et oui, je pense que peut-être ça peut laisser certains spectateurs sur le carreau. On peut peut-être s'ennuyer un peu. Mais ça n'a pas été mon cas. Hein. Moi, je suis comme toi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Et c'est assez difficile d'en parler parce que c'est tellement foisonnant, comme d'habitude avec Fincher, que là, moi, je viens de le voir. Et il m'aurait peut-être fallu quand même 2-3 jours pour le digérer. Mais bon, c'est ça, hein, l'exercice de la critique à chaud, donc allons-y. Alors juste pour préciser de quoi parle Mank, c'est l'histoire du scénariste Herman Mankiewicz, qui était un auteur très prolifique dans les années 30, et qui a évidemment écrit Citizen Kane,
pour Orson Welles. Et donc, Mank, eh bien, c'est l'histoire, on va dire que c'est une photographie d'Hollywood à travers les yeux de ce scénariste, de Herman Mankiewicz. Ce qu'il faut juste aussi préciser, c'est que finalement, le film ne raconte pas l'envers du décor du tournage de Citizen Kane, parce que ça on n'a aucune scène qui se déroule dans ce cadre-là. En fait, ça ne raconte pas du tout le tournage de Citizen Kane, mais simplement... le processus créatif de l'écriture du scénario de Citizen Kane et la vie de ce Herman Mankiewicz dans les années 30 et à quoi il a été confronté et voilà et tout ce qu'il a vécu dans ce système-là et comment ça l'a construit et comment ça l'a inspiré pour écrire et aboutir à un chef-d'œuvre comme Citizen Kane. Voilà. Et d'ailleurs, le film est construit un petit peu à la manière du film d'Orson Welles, c'est-à-dire avec beaucoup d'allers-retours dans le temps, avec beaucoup de flashbacks, pour en fait expliquer un peu mieux la personnalité de Mankiewicz et comment lui est venue surtout l'inspiration pour écrire Citizen Kane. Parce que c'est ça aussi qui est quand même très intéressant dans le film, c'est de s'apercevoir que finalement, toutes ces sources d'inspiration sur le scénario de Citizen Kane, elle lui vient de son expérience, de sa propre vie et des gens qu'il a côtoyés dans le milieu. Et qu'en réalité, Citizen Kane, c'était une sorte de parabole sur le milieu hollywoodien avec des personnages qui faisaient clairement écho à des vraies personnes dans la vraie vie qu'il a côtoyées durant les années 30. C'est vrai qu'il y a deux lignes temporelles. On a une qui se passe dans les années 30, en fait, où on voit, voilà, qui rencontre, qui côtoie tout un tas de personnages, de célébrités hollywoodiennes et qui s'en inspire donc, pour l'écriture. Ça, c'est assez passionnant. Et puis l'autre ligne temporelle, c'est il est alité, en fait, il a la jambe dans le plâtre, hein, parce que c'est un alcoolique, etc. Donc on l'empêche de picoler et tout, donc, et il écrit le scénario. Donc c'est à la fois comment est-ce que le scénario lui a été inspiré et ensuite... comment est-ce qu'il a concrètement écrit le scénario. Donc c'est assez bien fait. Et si je peux rajouter un truc, ouais. J'ai trouvé ça assez beau comme idée. Ça serait, donc on pourrait dire que c'est un peu une mise en abîme quelque part, hein, puisque déjà Fincher, moi, il m'a fait penser un petit peu à Citizen Kane, enfin à Orson Welles, puisque au début... on a, tu sais, un petit panneau qui dit quelque chose, c'est le tout début du film, hein, quelque chose qui dit comme ça, oui, Orson Welles avait des pleins pouvoirs, il pouvait faire ce qu'il voulait, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu la situation dans laquelle se retrouve Fincher avec Netflix, puisque lui, il a les pleins pouvoirs également. On peut dire que c'est une mise en abîme également parce que c'est les coulisses, hein, de Citizen Kane, et donc on voit l'envers du décor, etc., etc. Et on peut dire que c'est encore une autre mise en abîme, puisque, et ça j'ai trouvé que c'était une idée particulièrement adroite et rigolote, sur les différentes lignes temporelles, à chaque fois en fait il y a une inscription qui apparaît comme si c'était un scénario. Donc le film en fait d'une certaine façon te dit attention, c'est un film. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un film qui raconte la création d'un film tout en te disant oui, c'est un film qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs il y a plein d'artifices comme ça très intéressants. Du coup, comment il s'appelle, notre Gary Oldman favori, par exemple, n'est pas du tout maquillé, alors qu'il n'a pas du tout l'âge du personnage, par exemple. Et il n'y a pas d'artifice comme ça. On te dit vraiment, c'est un film de cinéma, il faut que tu t'y fasses, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper beau, perso. Ouais, alors je suis d'accord. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Mank, eh ben, c'est justement cette volonté de nous faire voyager dans le temps à travers une forme qui épouse totalement celle qu'on avait dans les années 30, les années 40. Bon, déjà, évidemment, avec l'utilisation du noir et blanc, mais aussi avec, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur l'image est assez granuleuse par moment. Il y a des brûlures de cigarettes pour passer d'une séquence à une autre. Voilà, pas mal de fondu au noir aussi, qui est vraiment un outil de montage qu'on utilisait beaucoup avant. Et puis, aussi autre chose, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en tout cas, sur mon installation, sur mon écran, sur mon système de son, c'est l'impression que j'ai eue. Au niveau du son, on est d'accord, il y avait comme une espèce de réverbération et presque une légère saturation des voix. Un peu comme un film d'époque, en fait. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, même la direction d'acteurs, certains acteurs jouent et sonnent un peu, tu à vois... À la manière de... Oui, oui. Ouais. Hein. Le général Eisenhower est arrivé ce midi à l'aéroport. Il y avait un truc comme ça. C'était assez bizarre, quoi. Ouais. Effectivement, au début, tu es là, tu fais... d'accord, il a essayé de singer ce truc-là. Effectivement, je suis 100% d'accord. Je l'ai remarqué également. Je pense que quand on est cinéphile, un petit peu comme on peut l'être,
On est déjà un petit peu acquis à la cause d'un film comme Mank qui va nous raconter les dessous d'Hollywood, la fabrication d'un film, l'envers du décor. C'est quelque chose qui, normalement, devrait nous intéresser, devrait nous passionner. Tu vois, je pense par exemple à Ed Wood de Tim Burton, qui nous racontait voilà, l'histoire de ce réalisateur totalement conspué et sans talent qui a accouché que de navet après navet. C'est un film... Enfin, je pense que Ed Wood, tu vois, par exemple, est un film qui est plus grand public... Parce qu'il y a quelque chose de peut-être plus ludique dans la façon de dérouler l'histoire de ce réalisateur, alors que Mank, c'est ce que je disais au début, si tu ne connais pas en fait, si tu ne maîtrises pas, je pense, hein, l'histoire de Citizen Kane, si tu ne maîtrises pas très bien le film, si tu ne l'as pas tellement en tête, je pense que tu passes à côté de beaucoup de références que le film fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur la forme, les fondus au noir, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai trouvé ça très très beau. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire le fondu au noir, il éteint les lumières, tu sais, du décor. Tu sais, oui, oui, exact. Et du coup, c'est ça, un peu à la Edgar Wright, tu sais, parfois, et du coup, bloum, ça donne un truc du très bel effet. Mais, et c'est là où moi j'étais un tout petit poil déçu parce que c'était mon fantasme en fait. Moi je m'étais dit, Fincher, en gros, il va réaliser un film sur Citizen Kane comme Citizen Kane. Un petit peu. Et même si on a quelques plans qui sont assez intéressants, du genre, tu sais, quand il met le papier devant la caméra, etc., il y a deux, trois effets comme ça. Finalement, c'est un film qui est réalisé comme d'habitude. Enfin, en tout cas, le nouveau Fincher, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment très scolaire, très précis, très méthodique, comme tu le disais, mais ça va jamais, hormis au niveau du noir et blanc et de quelques effets, ça va jamais plus loin. Et du coup, j'étais un poil déçu. En fait, c'est pas décevant, c'est juste que voilà, j'avais projeté un truc que je n'ai pas eu, mais ça reste comme d'habitude phénoménal, hein. C'est magnifique. Après, Citizen Kane, à l'époque, c'était un film ultra sophistiqué, presque novateur dans sa mise en scène, avec des mouvements de caméra et des idées de mise en scène qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Des contre-plongées, le fait que ça soit comme ça une narration multiple, il y avait tout plein de choses. Voilà, la caméra qui passe à travers des endroits improbables. Exactement, des fondus, tu sais, au début, quand ça passe à travers la vitre, etc. Ouais, c'était ouf. Donc, quelque part, comment faire un film... Enfin, ce que je veux dire, c'est que Fincher n'avait pas forcément besoin... de faire un film trop à l'ancienne pour ressembler à Citizen Kane, dans le sens où Citizen Kane était un film très moderne, déjà pour l'époque. Mais là où je voudrais juste revenir par rapport à mon ressenti sur le film, je l'ai trouvé, comme je disais, passionnant, fascinant, même si, à mon sens, il manque peut-être un peu d'émotion, il y a peut-être quelque chose d'un peu froid dans le déroulé de toute cette histoire. Mais là où le film m'a pris, c'est sur la thématique de l'intégrité artistique, en fait, du personnage de Gary Oldman, du personnage de Mankiewicz. Le combat d'un scénariste qui essaye de garder son intégrité aussi bien artistique que même philosophique, parce qu'il y a toute une divergence politique au sein du studio, entre lui et les patrons du studio, où lui, clairement, il était plus proche d'un mouvement, on va dire, de gauche, quoi, hein, alors que les patrons des studios étaient beaucoup plus républicains et de droite. Et donc, quelque part, je trouve que ça, Fincher réussit très bien à le mettre en scène, à le capter, cette lutte permanente entre son intégrité artistique et son ambition, sa volonté d'appartenir à un milieu pour accomplir sa vision, tu vois. Et finalement, tout le film Mank raconte ce combat-là. Est-ce qu'il va le gagner? C'est là où le film veut en venir, je pense, quoi. C'est que l'important, c'est de ne pas reculer sur ce qui nous est cher, même si c'est peut-être au détriment d'une carrière et tout ça. Parce que c'est ce que lui dit Orson Welles. Il menace son scénariste. En gros, en lui disant, si tu dis que tu es l'auteur de ce scénario, tu seras conspué à Hollywood, enfin, tu seras banni d'Hollywood, etc. Et finalement, il tient bon. Donc, quelque part, même s'il y a un regard quand même très cynique sur le système hollywoodien, intrinsèquement, dans son film, Fincher, il nous fait un film à la Hollywood, quoi. Il nous fait un film sur quelqu'un qui gagne le combat à la fin.
Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est, bon, tout petit spoiler, mais je ne sais pas si tu le garderas ou pas. C'est pas oui, on va spoiler. On ou va alors spoiler. Voilà, ou alors mets-le à la fin. Mais je trouvais que c'était un film, même si je ne suis pas complètement d'accord avec l'idée, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très bien traité dans l'histoire, c'est qu'il met vraiment en valeur le scénariste. C'est-à-dire, en gros, il dit ce qui est important, au final, c'est le scénariste. À la fin, on lui pose la question, on lui dit, mais pourquoi Orson Welles s'est crédité? Puis il dit, mais ça, c'est Hollywood, ça, c'est la magie du cinéma. Et en gros, il y a toute une thématique comme ça qui te dit aussi, on peut faire voilà, avaler n'importe quoi au public à partir du moment où c'est sur un écran. Voilà, King Kong, il fait 40 mètres de haut, l'autre, elle a 40 ans, mais elle est toujours vierge, etc. Ben là, c'est pareil, nous, enfin, moi, personnellement, j'ai regardé Citizen Kane la semaine dernière, j'étais persuadé que Orson Welles, il avait écrit le scénario de Citizen Kane. Juste parce que Oui, c'est parce que. marqué au générique. Et là, en fait, ça te démystifie, ça te dit, bah non, 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 en fait, on te fait gober des trucs, c'est absolument pas vrai. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bon. Et comme en plus, c'est son père qui a écrit le scénario à Fincher, c'est comme si, quelque part, il disait, mais moi, c'est pas moi l'important, quoi, sur ce coup-là. C'est mon père, c'est le scénario. Donc, c'est. Enfin, je sais pas, je trouvais ça beau, quoi. Et on n'a pas énormément parlé de la prestation des comédiens. Moi, je trouve quand même Alors. que c'est assez magistral. C'est vraiment très, très, de très, très haute volée. Meilleure performance de Gary Oldman depuis très longtemps, je Ouais. trouve. Et alors, moi, Incroyable. j'étais hyper impatient parce que j'avais lu une interview de Gary Oldman qui disait que Fincher, avec sa psychopathie légendaire, lui avait fait péter les plombs parce qu'il lui avait fait répéter plus de 100 fois une scène. J'imagine que la scène en question, c'est la scène finale où il est bourré, tu vois, au repas et voilà, enfin. Et du coup, cette scène est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Il en met plein la vue. Et voilà. Et donc, ouais, tout thumbs up. Ah ouais, Gary Oldman, c'est magnifique. Il est génial. il est d'un naturel incroyable et ouais, cette scène dont tu parles, elle est géniale parce que finalement là, il déverse tout ce qu'il a à dire et après d'ailleurs, c'est comme un vomi quoi, et c'est ce qu'il fait juste après. D'ailleurs, il vomit tout ce qu'il avait besoin de dire, il le vomit littéralement et dans cette scène, bah, il révèle carrément on va dire le canevas de Citizen Kane quoi. Il balance déjà, on va dire le synopsis de Citizen Kane. Il y a déjà toutes les bases dans cette scène-là. Et d'ailleurs. Juste après ça, il y a quand même une scène qui m'a marqué, c'est la conversation qu'il a avec Charles Dance, donc l'acteur qui joue le rôle de William Hurst, c'est compliqué un peu, hein, mais c'est en gros le personnage qui a inspiré Charles Foster Kane pour le Exactement. film d'Orson Welles. Il s'est inspiré de lui pour écrire ce personnage, et donc lui, il lui raconte, tu sais, il lui fait toute une métaphore sur un singe, et en gros le singe c'est Gary Oldman, quoi, c'est ça, on est d'accord. Bah En ouais, gros, il quelque lui part. dit. Il lui dit ne crache pas sur la main qui te nourrit quoi parce que Manque, finalement monkey? ouais, Je ne bien sais pas. vu, non mais Je ouais ne sais pas. peut-être monkey, non mais il y a peut-être un lien, oui, parce que c'est finalement ce singe qu'on habille, à qui on donne comment te dire, c'est une métaphore pour lui dire voilà, on le nourrit, qu'on lui donne de l'argent, on l'habille bien, on le présente bien, et en échange, eh ben il faut qu'il danse quoi, tu vois, il faut qu'il danse pour que les choses puissent se faire. Et voilà, et c'est aussi ce que veut dire la métaphore, c'est-à-dire que en participant au système, eh ben Tu renonces à tes baloches. oui, mais alors tu renonces à tes baloches, mais en même temps, les choses se font. C'est parce que le singe danse que l'homme peut chanter. Tu vois, en gros, c'est parce que tu écris un scénario que un film va pouvoir se faire. En gros, c'est ce qu'il veut lui faire comprendre, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il a tout de suite. Une sorte d'épiphanie pour vraiment tenir bon sur ses positions face à Orson Welles et maintenir le fait qu'il soit crédité en tant que scénariste pour Citizen Kane. Donc voilà, c'est un film passionnant, c'est un film fascinant, je trouve, même si il est peut-être un peu hermétique de par sa densité quand même narrative. Hein, il y a beaucoup, voilà, c'est très dense comme film. C'est du Fincher, quoi. Ouais. Il y a pas de souci. Voilà, formellement, c'est très élaboré, le noir et blanc est magnifique. Mais voilà, ça risque peut-être de laisser certains spectateurs sur le bas de la route si vous n'êtes pas plus que ça passionné par l'histoire d'Hollywood et la fabrication d'un film comme Citizen Kane, quoi. Voilà. Alors, une dernière chose, moi, que je voulais dire, c'était qui m'a vraiment plu, c'est qu'en général, j'aime pas tellement les films qui parle de création de films. Tu vois, bah, ça, en fait, il y a toujours un problème. Tu vois, par exemple, un film qui est assez excellent, qui s'appelle le film avec Steve Buscemi, Ça tourne à Manhattan. Voilà. Alors, par exemple, un film comme Ça tourne à Manhattan, Steve Buscemi, le film est excellent,
Mais je trouve qu'il souffre d'un gros défaut, c'est qu'à l'intérieur, le film dans le film est complètement débile. Et tu te dis qu'un mec aussi intelligent que le personnage présenté dans le film, bah non, il va pas faire un film aussi médiocre. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc comme ça. Et dernièrement, Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood le faisait plutôt pas mal, mais ça restait un petit peu des gimmicks. C'était drôle d'une certaine façon. Enfin, c'était tourné un tout petit peu en dérision. Et là, j'ai vraiment apprécié parce que ça te montre vraiment les choses très simplement, très sobrement, mais de façon très belle. Tu vois, quand tu allais installer Amanda Siegfried, tu sais, sur le bûcher, etc. Et tu vois qu'avec des dispositifs un petit peu cheapos, bah, en fait, on arrive à te faire quelque chose de très beau. Tu vois, le travelling avec les Indiens, etc. Juste toute cette scène, bah, je l'ai trouvée très juste, assez magnifique. Et je me suis dit, putain, enfin! On parle de cinéma sans le singer, sans s'en moquer. Bon, il y a bien voilà la fumée qui arrive et puis avec l'autre qui tousse, mais c'est vraiment le seul truc. Et pour ça aussi, je dis bravo Fincher. Un truc que je voulais préciser aussi, c'est les dialogues que j'ai trouvés excellemment bien écrits. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, tous les dialogues que balance Gary Oldman, tu vois, sont à chaque fois, enfin, je les ai trouvés avec beaucoup d'esprit, beaucoup de second degré et avec beaucoup ouais, de double sens. Non, non, c'est vrai que c'est comme le reste, on sent que c'est travaillé depuis des années et des années. On sent que c'est vraiment un truc qui a mûri et qui l'a jailli voilà, au top. Enfin, il ne pouvait pas faire mieux, je pense. Là, il était vraiment au top, top du top à tous les niveaux. Hein. Donc, si on devait donner une note à ce manque, bah tiens, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu lui donnerais sur 5? Là, tout de suite, comme ça, à chaud, voilà, après l'avoir vu, enfin après 1 heure, voilà, tu l'as vu il y a 1 heure, vas-y, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, franchement, j'attendrai 2, 3 jours avant de lui mettre une note, je crois. Ça sera difficile. Oh là Là, là là là, petit petit joueur, là. joueur, je me déballonne. Écoute, You don't have balls, man. Come on! Ah, je sais pas. Écoute, je Pour l'instant, mettrai. voilà, à chaud. Mais justement, c'est tout l'exercice là. On est dans une critique à Ouais, chaud. C'est comme si on sortait d'accord. de la salle et qu'on était allé discuter dans un café à côté et que on devait dire bon alors vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé? Vas-y là comme ça tout de suite. C'est pas grave si ça change dans 2 ou 3 jours. Vas-y. Ouais, alors j'aurais envie de lui mettre 4, mais peut-être que je lui mettrais 3,5 parce que j'étais un tout petit poil déçu par rapport à mes attentes. Mais si ça se trouve, dans 3 jours, je vais mettre 5, tu vois, je sais pas où. Est-ce que tu as trouvé le film un peu chiant, un peu long? Un petit peu, un petit peu. En fait, je m'attendais pas forcément à ça, encore une fois, donc formellement surtout. Donc c'est plus la forme, si tu veux, la forme où j'ai pas été vraiment surpris. Mais sinon, ça m'a pris, ça m'a captivé. Donc. Allez, 4, 3, 75. Bon, alors moi, tout de suite, là, comme ça, à chaud, je lui mettrai 4 sur 5. Et je dirais que ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus sur Netflix. Bon, ça, facilement. Voilà, mon avis risque peut-être d'évoluer, de changer, de se dégrader, de le rehausser. J'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, là, comme ça, là, tout de suite, à chaud, c'est du 4 sur 5. Alors voilà, avant de raccrocher, avant de terminer la vidéo, je voudrais juste faire un petit coup de pub sur un podcast que j'ai créé avec Monsieur Zoltan tout récemment. Un podcast qui s'appelle Y a-t-il un podcast dans l'avion? Un podcast qui revient exclusivement sur les films mettant en scène des avions ou des aéroports. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Manque dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez trouvé que c'était le pire film de David Fincher? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur, la bienveillance et la bienséance. Et Merej, eh ben moi j'ai envie de te dire à très bientôt hein, pour de nouvelles aventures sur les ondes de YouTube. Avec Euh, plaisir. D'ailleurs, voilà. je constate que tu n'as pas fait de pub pour ma chaîne. C'est vrai, Ouais, mais est-ce ça qu'il y y a est, vrai, mais ça y est, est-ce je viens d'en faire, je viens d'en ouais, faire, ça y ouais, mais est-ce que est, ça non, suffit, mais moi j'ai envie ça de y te dire, est-ce qu'il y a besoin de faire de la pub pour le meilleur YouTuber de Oh, France? ça suffit Non, mais avec attends, ça. il faut C'est une arrêter. blague, c'est une blague. Voilà, je vais laisser Merej conclure cette vidéo parce que moi j'ai aucune idée de comment terminer la vidéo. Je lui laisse cette tâche. Eh bien, ça me fait très plaisir. Merci, David. Je vais conclure donc cette vidéo avec un artifice de cinéma absolument exceptionnel. Je vais claquer des doigts. Et Et nous allons disparaître, voilà, c'est nous ça? allons disparaître. Donc attention, c'est parti. Prenez soin de vous, allez voir des films. Rosebud.